Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'unboxing de chez GBFKE. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, tout simplement, je fais... Oui, je vais y arriver. Des unboxings sur ces vendeurs, GBFKE, Fansell, Your Best Deal, enfin tous ces vendeurs-là. Et trouver des produits à moins de 5 euros. Un peu comme dans le même style des vidéos où on trouve des produits sur Amazon à moins de 5 euros. Mais là, c'est chez les revendeurs. Alors, pour GBFKE, j'ai trouvé des produits à moins de 4 euros. Ce qui est quand même pas mal hein, d'avoir des produits à ce prix-là. Donc, on a un petit peu de tout, des toiles partielles, des toiles complètes, quelques objets, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai fait une commande de 35 produits que je divise en plusieurs vidéos. Donc là, vous êtes à l'avant-dernière. Oui, c'est ça, c'est l'avant-dernière. Et donc, ce n'est pas un partenariat, hein, c'est un achat que j'ai fait le 13 janvier, qui m'a été expédié le 19 janvier et que j'ai reçu le 28 janvier. Donc quand même pour 35 produits recevoir en environ 10 jours, hein, si on compte à partir de l'expédition, c'est quand même pas mal. C'est quand même assez rapide. Alors ça a été livré dans un très gros sac en plastique gris. Vous savez les sacs en plastique qu'on a à chaque fois. Il n'y avait pas de protection, hein, c'était juste bien bien fermé et mis dans la boîte aux lettres. Et la seule protection qu'il y avait, c'était ces petits emballages en mousse qu'on a pour chaque toile. Alors, on va regarder ce qu'on a. Je vous fais 5 produits à chaque fois par vidéo. Donc, voyons voir ce qu'on a dans celui-ci. Je pense que c'est une toile en partiel, vu comment elle est fine. Hop. Alors, voyons voir laquelle c'est. Ah, c'est une petite elfe encore une fois. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais la collection de ces petites elfes. Mais je les fais en collection en partiel parce que j'en ai déjà fait une en complète et je trouvais pas ça joli. Donc je les fais toutes en partiel, mais certaines n'existent pas en partiel. Donc on verra une fois que j'aurai chopé toutes celles qui existent en partiel ce que je fais. Soit je trouve une solution, soit tant pis, hein, je les prends pas. Donc cette toile-ci, alors je vous demande un instant, je vais prendre sa feuille de suivi. Alors cette toile-ci est au prix de 3,99€, c'est une 30 par 30. Il est dit que le dessin fait 24 par 24, qu'elle a 12 références et qu'elle est en strass. Alors on en a bien 12 et on va la mesurer pour contrôler si elle fait vraiment 24 par 24. Hop, comme ceci. Voyons voir, et moi je vois du 24,6, ce qui est très bien, et du 24,7, ce qui est très bien, c'est parfait. Après je ne sais pas si je garderai le contour blanc complet ou si je recouperai plus proche de l'elfe, on verra ce que je ferai. On a notre toolkit de base. Et on a nos diamants. Alors, je les sors et on va regarder qu'est-ce qu'on nous propose. Alors, pour cette petite toile, on nous propose des tout petits cœurs violets. Hop, je vais vous zoomer quand même. Voilà, des tout petits cœurs violets. Voilà. Des petites gouttes argentées. Des ronds rouges. Des gouttes rouges. Des plus gros cœurs violets, enfin rose-violet. Des strass roses un peu violets, plutôt dans les tons violets. Des strass dorés. Des strass roses. Des strass jaunes. Des strass argentés. Des strass violets. Hop. Voilà. Et des diamants tout simples noirs. Donc voilà pour cette toile, je range les diamants et on passe à l'objet suivant. Alors pour la suite on a ceci. Alors ce que je vois c'est que là ils l'ont attaché avec un scotch et là elle est ouverte. Donc bon. Alors voyons voir ce qu'on a dans ce sac. On a une toile complète
Alors, voyons voir la toile en question. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va pas le faire. Non, on va voir ça. Alors, je l'aplatis et je prends ma page et je vous reprends tout de suite. Alors, voilà la toile. Donc, c'est La Belle et le Clochard, tout simplement. Donc, c'est une toile qui est en 30 par 40 et en diamant rond. On n'en sait pas plus. Elle était à 3,99 €. Alors, voyons voir l'image. Combien est-ce qu'elle fait? Elle fait 32,4 par 22,8. Voilà la taille que le dessin fait. Elle a 20 couleurs et on n'a pas de DMC, c'est juste les symboles. Alors voyons voir la colle. Elle colle très bien. Voilà, alors par contre, moi je la trouve trop petite. Et en fait, je trouve que les symboles, ils nous ont fait pour des diamants carrés, pas pour des diamants ronds. Alors voilà ce que vous voyez là. C'est ce que moi je vois en étant plus éloignée. Donc pour moi, je pense qu'elle va être trop petite, à part si je la regarde vraiment de très loin. Mais sinon, ouais, je crois qu'elle va être trop petite, cette toile-ci. Les symboles sont très bons, hein. On voit très bien les symboles. Alors, hop, on a le toolkit de base, comme d'habitude, et on a nos diamants ronds. On va regarder qu'est-ce qu'ils nous ont proposé, mais je pense que cette toile-ci, si je peux le faire, je vais essayer de la faire en carré, parce que sinon en rond, je pense que ça ne va pas du tout le faire, ça ne va pas être joli. Alors, les diamants pour cette toile, on a du gris, du violet, un autre violet, un marron foncé, enfin marron clair je veux dire, un gris beige, un bleu, un beige, un violet, un gris très foncé, on va dire un peu dans les tons de vert bleu, un autre gris, un noir bleu, je dirais plus le 939, vous voyez celui qui est noir mais un peu dans les bleus. Un marron, enfin plus un beige marron, ouais, un vert, un beige, un marron, un jaune, un marron et le blanc. Voilà, donc je pense que cette toile-ci, je vais essayer de la faire en carré, parce qu'en rond, à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, ça va pas être joli. Alors, on va passer à la suite. Alors, ensuite, j'ai pris ceci. Alors, ça, c'est sur le thème de Pâques que j'ai choisi ce produit-ci. Hop. Voilà. Et alors, on a le toolkit de base comme d'habitude. À ce que je vois, le stylet a carrément perdu son embout. Il est juste ici. Donc lui, il va partir à la poubelle avec tout ce que j'ai. De toute façon, on a nos diamants. Et on a tout simplement un sac pour les bouteilles. Mais cette fois-ci, il est sur le thème de Pâques. On a un petit lapin. Petit lapin dans une petite chaussette. On a un peu un sucre d'orge. Donc, on va dire Pâques, Noël, hein, ça peut faire un peu les deux, mais je trouvais plus Pâques avec ce petit lapin. Alors, ce petit sac bouteille est à 2,49 €. Il est en strass et il est marqué qui fait 14,5 par 34,5. On va regarder ça. Hop. On a du 35 tout simplement. Par du 14,5. Donc ça, oui, c'est bien 14,5. Mais il est plus grand que prévu, ce qui est très bien. Alors, on a de la colle sur tous les endroits où vont les strass. Hop, je vais vous zoomer pour vous montrer. Voilà, on a de la colle à tous les endroits où vont les strass, mais pas là où il n'y en a pas, ce qui est très bien. Donc pensez bien à en coller ce genre de produit. Mais surtout, surtout, pensez aussi que ça ne se lave pas. Vous ne pouvez pas le laver. Donc faites très attention quand vous allez l'utiliser. Voir si vous le mettez plutôt sur une bouteille qui va juste servir en décoration et qui n'est pas fraîche, pensez-y. Et que vous n'ouvrirez pas cette bouteille parce que vous avez du risque d'y tâcher. Alors, on a des strass
argenté, des strass dorés, des strass roses, des diamants AB rouges, des strass verts, des toutes petites gouttes rouges et des gouttes vertes. Donc voilà pour cette petite chaussette de bouteille. Hein. C'est vraiment très mignon, hein. Je trouvais ça très joli. Alors, on va passer à la suite. Alors, pardon, l'avant-dernier produit de cet unboxing, je pense que ce doit être une toile en partiel, vu comment elle est très très fine. Hop. Alors, sur quoi on part? Ah, on est sur une elfe que j'ai beaucoup hésité à prendre plus d'une fois quand je faisais mes achats, parce que je la trouve mais magnifique, cette elfe. Elle est vraiment très belle. C'est celle-ci. Une elfe dragon, tout simplement, une guerrière ninja dragon. Par contre, je vois que le papier, ben, vous voyez, il est tout en bas. Et que là, ce n'est pas recouvert. Donc, je vais replacer le papier et je vais vous prendre la fiche pour vous donner toutes les informations. Alors, cette toile-ci est au prix de 3,99€. Il est marqué qu'elle fait 30 par 30 et que le dessin fait 24 par 24. Qu'elle a 7 strass et qu'elle est en strass tout simplement. Donc elle en a bien 7, il n'y a pas de souci. Et on va regarder la taille. Alors, elle fait 24. Alors attendez, hop, je vois pas très bien. Elle fait 24,8 par 24,6. Il n'y a pas de souci, elle est même plus grande que prévu, ce qui est très bien. On a notre toolkit habituel. Alors, je vais vous montrer quand même que la colle est là où il y a les symboles, qui n'est pas là où il n'y en a pas. Hein. Hop, regardez la queue là, elle colle pas du tout. Là, ça colle très bien. Donc, on n'est que sur des lettres. Hop, je vous montre, on voit très bien les symboles. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et on va regarder les diamants qu'on nous propose. Alors, on a des diamants noirs, tout simple. On a des strass rouges un peu orangés. On a des diamants comme ceci, dorés. Alors, pour la première fois que j'en vois, on a des quad cubes, enfin des strass carrés. Mais alors habituellement on appelle ça des quad cubes parce que ça peut recouvrir 4 cases sur une toile en diamant carré. Mais là je sais pas si ça peut en recouvrir 4. Mais bon, là de toute façon elle doit juste remplir ses places habituelles. On a des strass rouges comme ceci. Des strass dorées, jaunes plutôt. On a des strass rouges. Donc voilà pour cette toile, je range les diamants et on va regarder la dernière. Alors le dernier article de cet unboxing, c'est une toile complète. Voyons voir le modèle. Oh, il est trop mignon, j'adore. C'est ces tout petits chats, j'ai longtemps hésité à les prendre. J'ai longtemps aussi hésité à les prendre chez un autre vendeur. Mais je les trouve trop beaux, ils sont trop trop beaux, voilà. Ces deux petits chats, un petit chat blanc et un petit chat gris noir, qui sont trop 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 beaux. Alors cette toile contient du bloc au niveau du chat blanc, mais sinon tout le reste c'est du confetti. C'est vraiment du confetti de chez Confetti. Hein. Voilà, hop, je vous montre. Voilà, on a énormément de confetti. Voyons voir si elle colle bien. Il n'y a pas de souci, elle colle très très bien. Alors je vais l'aplatir parce que là c'est bombé et je vais vous chercher sa feuille d'information. Alors cette toile-ci est au prix de 3,99€. C'est une toile qui fait 30 par 30. Ils disent que le dessin fait 24 par 24, qu'on a 19 couleurs et qu'elle est en diamant rond. Tout d'abord je vois une faute, c'est qu'on n'a pas 19 couleurs, on en a 18. On a 18 couleurs donc... On a nos numéros dans l'ordre, nos symboles et nos DMC pour cette toile. Voilà. Alors, voyons voir la taille de la toile. Enfin, du dessin plutôt. On est sur du 24,6 par 24. Hop, 24.
1,8. Voilà. Donc voilà la taille qu'on a. Donc ça, c'est très bien. On a le toolkit de base comme d'habitude. Et on a nos diamants qui sont en sachet zip. On va regarder tout ça. Alors, on a des diamants blancs, des diamants violets, un rose, un autre violet, un violet, un rose, un marron, un marron foncé, un vert jaune, un violet, un vert, un marron, un rose, un violet, un bleu foncé, un rose, du noir et un rose. Alors avec tout ça, je peux vous dire que le chat n'est pas du tout gris, il va être violet. Je le sens gros comme une maison, donc on verra bien une fois que je l'aurai fait ce que ça va donner. Donc je range les diamants de cette toile et on va passer au compte rendu de la fin de cet unboxing. Alors voici tous les produits que je vous ai présentés pendant cet unboxing. Et j'ai remarqué pendant que je rangeais les diamants de cette toile-ci, j'ai oublié de vous dire comment je l'ai appelé. Je l'ai appelé chat noir et blanc Harry Potter, tout simplement. Parce que ce chat-là a une petite cicatrice à cet endroit-là, c'est vraiment la même forme que la cicatrice de Harry Potter. Donc voilà, tout simplement juste ça. Donc voilà les différentes toiles que je vous ai proposées pendant cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous renseigner au maximum de ce que vous pouvez trouver à moins de 4 euros chez GBFKE. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut !